Good morning, allez Iden, les tutres aujourd'hui, les Lunishmat Nissim Ben Aouda, Sarah Batran Rachel, ainsi que les Fouat, Eléo Machlouf Ben Chana, Aria Kiba Ben Shachar, et Refel Zboulout Ben Chaya Malia avec Orchard Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah connectée 5 minutes éternelles, nous étudions à Sechet Avot, Perek Vav, Mishnah Hey. Al Tevakesh Gedula Le Atzmecha, Ve Al Tachmod Kavod, Yoter Milimudecha Ase, Ve Al Titave Le Shulchanam Shel Menachim. ששולחנך גדול משולחנם, וכתרך גדול מכתרם, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם שכר פעולתך. Il y a le même problème qui revient dans cette Mishnah, comme la Mishnah précédente, où les phrases, les mots qui sont dits, les conseils qui sont donnés, ils sont relativement clairs. Le seul problème, c'est de comprendre leur sens, leur enchaînement, la nuance entre chacune des phrases et le cadre, tout simplement, le contexte dans lequel ils ont été dits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord traduire la Mishnah, puis après donner un petit peu plus d'allure à la Mishnah, grâce notamment au Tiferet Israël, un petit peu le Midrash Mouel. Al tevakesh gedula le'atzmecha. Ne, littéralement, ne demande pas de grandeur pour toi. C'est-à-dire, n'aspire pas à obtenir un haut rang, une haute fonction. On est bien sûr en train d'étudier, de parler de l'importance de l'étude de la Torah. Et donc la Mishnah vient et nous dit, ne sois pas quelqu'un qui a envie d'être un rave, Khashuv, d'une Keila, un Rosh Yeshiva, un Magid Shiur. Ça ne doit pas être ta motivation lorsque tu vas étudier la Torah. Ve'al tachmod kavod, et n'envie même pas les honneurs, c'est-à-dire, Chemda, d'abord, c'est envier quelque chose, le tachmod bet recha, le tachmod eshet recha, c'est un d'Aseret Adibrot, le dernier d'Aseret Adibrot, ne pas envier le bien de l'autre, et donc là, ne pas envier l'honneur qu'il a l'autre. N'envie même pas l'honneur, donc apparemment qui est lié à la Torah. Ensuite, Yoter Milimudecha Ase, plus que ce que tu étudies accompli, Yoter Milimud Shelcha Ta'ase, Ve Al Tit Ave Le Shulchanam Shel Menachim. Et n'envie pas, n'aspire pas à avoir un Shulchanam Shel Menachim, une table des rois, c'est-à-dire une table où tout est dressé. Tout est facile. Les rois, ils viennent se mettre à table, ils ont une table bien remplie avec tous les plus bons petits mets délicats du monde posés sur la table, et ils donnent à leur guise, ils font plaisir à tout le monde, ils ne se sont pas fatigués pour obtenir tout, donc n'envie pas une telle table. Pour quelle raison? Toi qui étudies la Torah, n'envie pas, n'aspire pas à avoir une table semblable. Pourquoi? Car ta propre table à toi, elle est bien meilleure, bien plus grande que leur table. Et ta couronne est plus grande que leur couronne. En gros, toi qui étudies la Torah, sache que tu vaux beaucoup plus que ce qu'eux ils ont, même si tu n'as pas l'impression d'avoir autant, sache que ta table, elle est bien plus fournie que la leur. Et ton rang, ton prestige, donc ta couronne donc, il est plus grand que le leur. Et tu peux avoir la foi, croire en celui qui te demande de le servir, de lui faire un travail. C'est le Baal Melartecha, c'est lui qui t'embauche, Hachem en l'occurrence. Il est bien assez crédible et honnête et fidèle, qui vient à sa promesse, pour accomplir ce qu'il t'a promis, qui va te payer ta paye largement, convenablement. D'accord? Donc je vous ai dit, le problème de cette Mishnah, d'abord, c'est de comprendre un petit peu mieux tout ce qui a été dit. Le principe général, il est assez clair. On va commencer par là, en fait. On est toujours dans la suite, comme je suis cette fois-ci le Tiferet Israël, essentiellement, et un petit peu le Pirouche de Raphaël Volojinar, qui est rapporté ici dans le Likoutim, dans ce fous de Mishnah. De Zecher Chanoch. En tout cas, il rapporte comme ça. Il nous dit, on avait appris l'importance d'étudier la Torah et le mérite qu'on aura, le haut prestige, le haut rang, toutes les bontés qu'on va jouir du ciel, qu'on va se rétribuer d'avoir tous les bienfaits, tous les honneurs, tous les possibles. Alors il vient, il nous dit, dans la Mishnah précédente d'abord, il nous avait bien dit, calme-toi, c'est des choses qui viennent, mais plus tard, d'abord quand tu commences, on veut te voir t'acharner pour obtenir cette vertu. Maintenant, la Mishnah vient nous dit, maintenant, lorsque tu vas étudier la Torah, ne louche même pas dessus, ne jette même pas un œil sur ces bienfaits qui vont te revenir. Ne le fais pas dans ce but, parce que tu vas tout perdre.
ne demande pas à avoir un haut rang. Et lui, il continue encore plus fort, le Tiferet Israël, en nous rajoutant, on avait dit qu'il va avoir plein de vertus du ciel, il va découvrir toutes les profondeurs de la Torah, et voir loin, voir le roi Hakodesh, peut-être même, des choses comme ça. Alors lui, on nous dit, ça ne doit pas être ta motivation lorsque tu viens étudier la Torah pour obtenir des hauts rangs. Pour obtenir, alors que ce soit un haut rang dans le peuple, que tout le monde va prendre conseil chez toi, ça ne doit pas être ta motivation. Bal Tachmod Kavod, c'est, n'envie même pas l'honneur de ceux qui ont ça, d'accord ? Et contente-toi uniquement que Yoter Minimudecha, c'est celui-là, on laisse de côté, on va revenir dessus. Il m'a posé beaucoup de problèmes à le comprendre exactement, je vous explique ensuite. Mais pour le moment, dans la même lancée, on a la dernière proposition qui nous dit Valtitabe le Shulchanam Shel Malachim. N'envie même pas, cette fois-ci, c'est plus dans le sens d'envier, c'est plutôt de désirer. Ne désire même pas une table des rois. Pourquoi ? C'est-à-dire une table, j'imagine, c'est plus assez expliqué cette fois-ci, mais. J'imagine le principe, il est... ouais, c'est ça, je suis dressé, je suis dressé. D'accord. De manière générale, c'est fréquent chez ceux qui étudient la Torah, puisqu'on étudie, on passe notre temps à étudier beaucoup plus de Torah, donc on investit beaucoup moins d'efforts dans obtenir tous les besoins matériels avec beaucoup moins de largesse. Et alors, du coup, on pourrait se dire, ah, si je pouvais être riche, c'est-à-dire, imaginez, quelqu'un, il arrivait en situation de marier, par exemple, un enfant, il va avoir des gros frais à faire, du coup, il va quand même un petit peu, quelque part, il va se dire, ah, si j'avais pu, moi aussi, quelle chance, lui, mon voisin, que lui travaille dur pendant 12 heures par jour, il est devenu maintenant millionnaire, et puis il peut marier ses enfants aisément, alors que moi, je vais me casser la tête à réfléchir comment est-ce que je vais emprunter, comment je vais pouvoir rendre. Alors, la Mishnah vient, elle me dit, ben, calme-toi, sache que n'envie même pas cette table où tout est déjà prêt. Parce que ta table, à toi, ton mérite que tu as, il est bien, bien, bien plus grand. Et tu es à des niveaux bien plus hauts que ça. Et de ce fait, aie confiance en celui qui t'a embauché, Hachem, qui m'a demandé de le servir, de le travailler. Et bien, aie confiance en lui que finalement, tu manqueras de rien. Et avec le bitachon en lui, la foi en lui, la confiance en Hachem, alors sache que tu auras bien plus au final. Et d'accord ? C'est le principe de la Mishnah. Maintenant, je reviens maintenant sur le Yoter Milimudecha Asseh. J'ai deux problèmes avec cette phrase. Yoter Milimudecha, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Et donc, le cadre. Ce qu'elle veut dire d'abord, elle me dit, plus que ce que tu étudies, accompli. J'ai un problème, de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle en quantité de temps, en action ? C'est-à-dire, va plus faire des mitzvot que ce que tu vas étudier la Torah. Genre, ben, puisque tu étudies, t'as 10 heures devant toi, t'as 5 heures devant toi à placer dans la Avodat Hashem, est-ce que la Mishnah viendrait me dire « Yoter Milimudecha Asseh » va pendant 3h30 tu fais des mitzvot et pendant 1h30 t'étudies, est-ce que c'est possible que la Mishnah vienne m'apprendre une chose pareille ? C'est impossible, c'est un Rabbah Meforash, c'est des Divrei Chazal Meforash, la plus grande des mitzvot qu'un homme peut accomplir, c'est l'étude de la Torah. Tant qu'il a moyen de se débiner et de laisser les grandes mitzvot se faire par d'autres personnes, qu'il le fasse et qu'il étudie la Torah. C'est comme ça qu'il le dit le Rambam. C'est une super grande mitzvah à aller accomplir, une grande mitzvah de chesed, de ramasser de l'argent pour une veuve et des orphelins. Énorme mitzvah, oui. Eh bien, si j'ai moyen de me débiner pour que quelqu'un d'autre fasse cette mitzvah, ça s'appelle mitzvah shechol aleha asot al yedei acherim, une mitzvah qui peut accomplir par quelqu'un d'autre, ma plus grande mitzvah à faire, c'est pas d'aller la faire, c'est de rester étudier la Torah. Ça, Rambam Meforash, ça marche pour tout. Si, bien sûr, le fait que moi, je vais aller m'investir pour ramasser l'argent, qui va faire que je vais ramasser plus d'argent, alors ça s'appelle, c'est une mitzvah que je ne peux plus faire par un intermédiaire, puisqu'un intermédiaire, il ne va pas obtenir le même résultat. Mais tant que je peux obtenir le même résultat, alors la grande directive, c'est toujours, toi, tu restes étudié parce que tu fais la plus grande des choses au moment où tu étudies la Torah. C'est tout le pérec. Est-ce possible que la Mishnah vienne me dire plus que ton étude tu vas accomplir ? C'était ce qui me dérangeait à comprendre cette phrase. Sur ça, j'ai trouvé deux interprétations. Le Midrash Shmuel rapporte, il me dit, non, ça veut dire qu'il y a des choses que je sais. Et bien, quand je ne sais pas, tachmir, soit mahmir, accomplisse plus que ce que tu sais, c'est-à-dire, ce que tu sais que c'est permis, accomplis-le. Ce que tu sais, ce que tu as des doutes, est-ce que c'est permis ou c'est interdit, et bien, interdis-les toi. C'est comme ça qu'il interprète. Et le Tiferet Israël, qui rejoint le Rebbe de Volozhin, ils expliquent tous les deux autrement. Ils expliquent ça comment ? En me disant, le terme limoudecha assez, alors là, le mot limoud, c'est pas ce que tu as étudié, mais c'est plutôt ce que tu es habitué à accomplir. Je sais pas comment ça rentre dans le mot limoud. Limoud,
En tout cas, ce que tu as accompli, ça veut dire qu'on veille à chaque jour te perfectionner davantage et en faire plus que ce que tu faisais hier. Si hier, tu as fait ta Amida avec une certaine concentration, eh ben, demain, tu l'as fait avec encore plus, avec plus de ferveur. Tu as mis tes tefilines aujourd'hui, eh ben, demain, tu la mettras avec encore plus d'enthousiasme, avec beaucoup plus de shlemout. Plus que ta mesure, c'est vrai que les moods, parfois dans le chasse, on rencontre les moods, ça peut être aussi une mesure. Apparemment, c'est leur intention telle qu'ils l'interprètent. D'accord ? Ça, c'était pour la phrase telle qu'elle. J'ai un problème technique, c'est qu'est-ce qu'elle fait en plein milieu ? Étant donné qu'on est en train de... C'est-à-dire, si vous faites attention dans la Mishnah, on parle de motivation. On parle de motivation dans n'envie pas les honneurs, n'envie pas les hauts rangs, n'envie pas l'aisance qu'ont les plus riches qui investissent moins dans l'étude. Mais en plein milieu, il m'a casé cette phrase de Yoter Milimodecha assez. Veille à chaque jour par faire tes actions. C'est très compliqué parce que même si tu avais ce conseil à me donner, je pense que ça aurait été plus logique de laisser en groupe tous ceux qui parlent de la motivation et puis ensuite ceux qui parlent de l'action. Et le Mishnah, la Mishnah est venue m'enseigner, me mettre ça en plein milieu de la phrase. Ce qui est très intéressant à voir, c'est dans le Midrash Shmuel. Il a une très longue, il rallonge beaucoup pour expliquer cette Mishnah, d'accord, comme il en a l'habitude, selon plusieurs interprétations, plusieurs acharonim. Et ce qui se passe, c'est qu'il avait une autre Girsa qui supprimait le mot assez et qui lisait Val tachmod kavod yoter milimudecha. Et dans ce cas-là, la phrase, ça rentre bien dans le même sens. La phrase, elle va me dire Al tachmod kavod yoter milimudecha. Il vient me dire sache que le plus grand des honneurs que tu peux avoir, il n'y a pas d'autre honneur que ton étude en elle-même. Alors là, c'est parfait, parce que ça se rejoint directement avec la phrase du début Al tevekesh gdoula latzmecha, n'envie pas un haut rang, n'aspire pas à une quelconque haute fonction de Torah, parce que tu ne peux avoir de meilleur honneur que ta propre étude. C'est là ta plus grande fierté, c'est d'avoir donné un bon pshat de Rebbe Akiva Eiger. C'est ça ton honneur, c'est ça ta fierté. C'est ce que la Mishnah viendrait m'enseigner. Et dans ce cas-là, tout rentre dans le même cadre, dans la même lignée. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.